Salut, c'est Metal Blaze, bienvenue dans cet épisode. Eh mec, on s'est pas présenté, salut Kirbystar, ça va? Eh, bienvenue dans l'épisode 22. Il n'y a aucune cohérence avec nos tenues et celles que vous allez voir dans l'épisode. C'est parce que là, en fait, on se retrouve à la fin de l'épisode 22, sauf que l'épisode 22 sortira à la place de l'épisode 23. C'est le bordel, mais c'est pas grave. Et du coup, Kirbystar, t'es chaud pour l'avant-dernier épisode? Regarde ce qui est collé à mon huc, comment tu veux pas qu'avec ça je sois chaud? On va dire dans l'épisode prochain, on va dire ça comme ça, et ben on a terminé le jeu, tout simplement. On va faire des events. Mais tu spoil par contre, c'est pas beau ça. Allez, c'est Halloween, hein. Mais ah, je me suis trompé, c'est pas Halloween, c'est Noël. J'ai ouvert le paquet cadeau. Mais quel débile! Ce sont des choses qui arrivent. T'auras ton gameplay. Non, mais t'es sympa, pour l'instant, moi je peux rien faire. Oui, mais c'est après que ça va commencer à devenir un peu plus dur. Ah, voilà, regarde. Ah, les sapins là. Les sapins, ils sont déjà un peu plus énervés. Non, mais moi ça va, je m'amuse. Point, point, là-bas. Est-ce que cette musique serait pas un poil. Enfin, un poil, et encore, je suis anti. Complètement épique! Hey! Le Père Noël! C'est le même Père Noël que dans Futurama, celui qui veut défoncer ta mère. It's Santa. Il me tire dessus en plus, cet enfoiré. C'est un de mes events préférés en vrai, la lune de givre. Faut savoir que du coup c'est un event, et que là il y a des vagues, on est déjà à la vague 7, et en tout on peut monter jusqu'à la vague 15. Bon, on va essayer de compléter nos derniers objectifs pour la série, c'est-à-dire là pour le coup Noël. On est censé avoir un sceptre qui s'appelle Pôle Nord. Et c'est un sceptre de glace et tout, c'est assez stylé. J'en parle, mais j'espère qu'on va l'avoir. Oh, ce nettoyage. C'est Nono Well. Faire attention aussi aux petits cadeaux qui tombent là. Faites pas trop attention, mais c'est dangereux. Je me fais attaquer par des sapins. Mais arrêtez de m'envoyer des épines. C'est trop. Alors, je suis en train de me bouffer tout ce qui s'est passé en accéléré là, donc il s'est passé beaucoup de choses. Ah super, au même moment t'as une reine des glaces qui arrive. Attends. Vu que je suis quelqu'un de très énervé, je vais lui casser la gueule. Voilà, prends ça. Je suis quelqu'un d'énervé, hein. Moi j'aime bien la reine des glaces. J'ai bien dit la reine des glaces, pas la reine des neiges. Hein. Ça n'a rien à voir. Faut mourir, madame. Allez, meurs. Brrr. Ah, mais elle nous balance des projectiles. Ça va le père Noël en dessous, ça va, tu gères? Je sais pas, j'ai freeze. Non, au secours. Non mais je tire au pif, hein. En fait, de temps en temps, je tire parce que au moins, je suis sûr ça que va. Je fasse un truc. Ça va, tant que le PC il tire. Ah, cette fois, je l'ai. C'est bon. On l'a. Pôle Nord, c'est officiel. Voilà. Et là, on peut tirer. Ta-da-ta-ta-ta. Et là, il neige, ça y est. Vague 14, hein. Bon, on en est la lune, mais on est bien, on est très très bien. Hein. Mais je prends zéro dégâts, je suis beaucoup trop fort. Bah, c'est mon armure aussi qui tank, hein, faut savoir. Hein. Aussi, dans la difficulté qu'on joue, bon. Voilà. C'est terminé. On a complété l'objectif. En vrai, je pense que je ferai des coupures hein, parce que là, ça sera un peu long, forcément. Sachant qu'encore une fois, je sers à rien donc. Non, non, c'est. Enfin, oui, toi. Oui et non, en fait. C'était Sentinelle qui sert. Bah, mes Sentinelles et mes épées, oui. Mais je veux dire, dans le principe, en fait, moi, je peux pas jouer. Je peux pas t'aider à lancer de sort ou des conneries. Ah, mais c'est le principe de l'avocateur. L'avocateur ne joue pas. L'avocateur, il. Non, mais mon jeu, il tourne plus. Il y a plus rien. Ton jeu, il est plus synchronisé là. Ah, c'est fini, ça y est, allez. Ok, on va pouvoir enchaîner avec le prochain event. Du coup, bon, j'ai dit Halloween. Oui, parce qu'à la base, on était censé faire Halloween. J'ai Pôle Nord, ça y est, on l'a. Quand même bien cette arme. Hein. C'est quoi? Ah, bah tiens, le Père Noël est arrivé, super. C'est parti, cette fois, c'est réellement Halloween. Ah putain, c'est vrai ça. Attends, faut que je récupère le bois. Est-ce que je peux récupérer le bois? Oui, bien sûr. Ouais, parce qu'on a un autre objectif qu'on pourrait faire rapidement. Bon, du coup, une fois qu'on a fini l'event, c'est se faire l'armure sinistre. Mais qu'est-ce que c'est que ces merdes? Ah non, 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 ça par contre, je suis pas d'accord. Ah ouais, ils sont fait éclater, les machins, ils passent à travers. Lui, je l'aime un peu moins. On n'a pas encore eu le temps d'en profiter. Reviens, monsieur. Ah, il est là. Reviens, Léon, j'ai les mains. Yes. Oh, j'ai un fouet. Tu vois, j'ai un fouet, toi, normalement, c'est fait pour les invocateurs, tu vois. Il risque d'avoir des problèmes, hein, si c'est mal interprété. Ouais. Il s'appelle Récolte Noire. Ah, j'ai prévenu, hein, si c'est mal interprété, on risque d'avoir des problèmes. No comment. No comment. Ah, c'est le jeu. No comment. Ça a été mal traduit, ça a été mal traduit. Je veux pas être dans la sauce, tu te démerdes, t'es tout seul. Mec, on est trop fort, c'est la moitié de la nuit, on est déjà en train de terminer la vague 14. Tu sais que... Bon, j'ai envie de profiter d'un truc. Je sais pas s'il faut mourir pour que la vague s'arrête.
Non, je sais pas, je sais plus. Je sais pas si on peut, si on a le droit de mourir. Est-ce que j'ai le droit de mourir? Mais non, c'est pas la bonne question. On termine ça et puis on... Pareil, on va faire une petite ellipse. Yes! Oui, je l'ai! Je l'ai! Let's go! Bon, elle est moins forte que mon épée, mais bon... Ah ouais, elle reste stylée quand même. Depuis qu'ils ont rework celle-là. What? Ah oui, bah attends, en termes de dégâts, attends, elle fait 250. Pardon? Pardon? Ah oui, donc ils l'ont complètement surcheaté cette épée. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, faut que je tape au cac, hein. Moi, j'ai plus de range, mais let's go. Moi, ce que j'aime aussi, c'est que avec cette épée, c'est que du coup, toi, quand je tape, t'as des citrouilles là, tu vois. L'espèce d'armée de citrouilles qui arrive. C'est pas ça que je veux, c'est le mauvais téléporteur celui-là. J'ai de deux de redéclencher l'apocalypse. Non. Ok, j'ai placé l'armure sinistre. Sinistre, je vais pas parler. Est-ce que t'es prêt, Kirby Star? Est-ce que t'es prêt? Faut savoir que toi, t'as déjà fait le boss parce que je vois, t'as les épées. Mais t'as dû faire le boss sur un autre monde. Bah, je l'ai affronté de mon côté parce que je voulais voir ce qu'elle valait. M'a un peu cassé la gueule, mais j'ai obtenu la Terra Prisma, donc, qui est une épée d'invocateur. C'est ça. Ah, bah, tiens. C'est drôle parce que j'ai une épée qui me permet d'invoquer des épées. J'ai bien ce que j'allais invoquer, mais en fait, bah, lol, du coup, non, en fait, elle était là devant moi. Wouah! Oh, la musique est trop bien! Je peux te dire que j'entends pas la musique vu que j'entends. Oh la madame, elle a pas le temps de respirer! Elle est déjà morte! Oh, c'était épique, hein! Oh la vache, elle a pas le temps de respirer, la pauvre! Oh, regarde l'épée que j'ai! Ah, c'est insane! Ne me prends pas par les sentiments parce que j'ai une boule à neige dans la main. Ah, c'est rigolo, ça. Papillon. Minute. Papillon. Tu sais qu'il y a des gens qui ont pas connu ça. Cette époque des podcasts. Enfin, tu me diras, aujourd'hui c'est rincé, hein, personne regarde, mais... Ah, je crois que c'est elle a droppé le... Kaléidoscope, c'est pareil, c'est un... Oui, en effet. C'est un fouet. C'est un fouet de... Pour les invocateurs. En plus, il fait très mal. Ah bah tiens. Mais il s'approche, je l'anéantis. Je suis pas d'armure, mais je fais mal, quoi. Tu es un gamin. Oh, c'est la dernière fois qu'on la bat, c'est bon, c'est la fin. Faut bien qu'on en profite un petit peu. Oh la madame. Oh. Oh, un arc. Tombé du jour, puissant. Ouais. Oula, oula. Ah si, c'est bon. Oh. T'as ce boss RGB, même, je dirais même LGBT. Non, t'es pas. Bah, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là, hein. En vrai, il reste un event. On est bon, de toute façon, là, il y a pas grand chose. Il reste un event, mais bon, Même, je dirais même deux events, mais bon, c'est clairement pas. Pas obligatoire. Pourquoi tu invoques cet event là? Je suis. Non, mais je suis né avec un chromosome en moins. C'est... Ou en plus, ça dépend. Ouais. Ah, j'ai un petit truc en plus. Ah oui, bah oui, je suis con. La Légion de Givre, c'est juste des bonhommes de neige. C'est des gangsters. Ah, ça me fume. Mais du coup, sur ce, eh ben, j'espère que cet épisode de 22, j'ai bien 22, hein, parce que pour le coup, nous, c'est l'épisode final, mais bon, vous a plu. Bah, sur ce, j'espère que vous aurez aimé cet épisode avec Kirby Star. On vous dit à la prochaine. Allez, salut.